Yo tout le monde, aujourd'hui eh bien on va apprendre le japonais en seulement une seconde. Voilà, c'est la fin, merci de m'avoir lu, salut. Ah là là, le Japon. Ce pays très très connu où les Français rêvent d'y aller pour y voir la culture japonaise, les toilettes japonaises, les jeux japonais, les villes japonaises, les maisons japonaises. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est surtout que le Japon est le seul pays où... Pourquoi? Où on parle japonais. Bien évidemment. Enfin, comme je suis gentil, enfin presque, eh bien, on va régler tous ces problèmes-là. Enfin, il faut quand même que je vous dise comment va se dérouler ces apprentissages-là. Parce qu'en trois vidéos, ça va être chaud. On commence alors déjà par l'alphabet, parce que oui, vous trouvez que l'alphabet allemand, c'était dur à apprendre? Eh bien, vous allez être servi par le japonais. Parce qu'il n'y a pas que un alphabet, il y a quatre alphabets. Il y a le romaji, les iganga, là, les trucs, là, enfin, il y a les quatre trucs, là. Et on va commencer par le premier, ça veut dire par les romaji, machin, truc, là. En gros, c'est des emoji transformé en roman descriptif afin de créer une phrase voulant dire ce qu'un Australien veut dire en réalité. Non, je déconne, c'est juste notre alphabet à nous. Il sert juste à écrire des mots étrangers qui n'existent pas en japonais. Comme par exemple les Sony Xperia ou encore les Samsung Galaxy. Puis ensuite, on passe aux choses sérieuses, ça veut dire les katakana. Il sert juste à écrire des mots étrangers qui n'existent pas en japonais. Oui, mais sauf que comme les japonais ne vont pas se faire chier à écrire un mot avec notre alphabet à nous, à la place, ils vont écrire ce mot étranger avec leur prononciation à eux. Et oui, ils sont forts ces japonais. Et comme ce n'était pas assez compliqué comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont introduit de révolutionnaire? Le fameux tableau de la table de multiplication de l'alphabet japonais. Alors la fameuse table machin truc là, eh bien c'est ça. Et en gros, comment ça marche? Eh bien prenons le mot YOLO et séparons les syllabes YO et LO. Ensuite prononçons YO. Alors on prend le Y de la ligne horizontale, puis ensuite le O de la ligne verticale, et on a ce machin là. Maintenant on veut dire LO, alors on prend le L qui est là. Il n'y a pas de L en haut. Attends, c'est quoi ce bordel? Eh bien oui, le japonais, enfin surtout en japonais, eh bien vous avez le droit de dire des trucs approximatifs. Par exemple, on réfléchit, on penche son cerveau une minute et on se dit oui que on prend le N et on le remplace par le L. Enfin c'est surtout l'inverse, on prend le L et on le remplace par le N. Et ça donne une syllabe approximative qui ressemble à peu près à la syllabe originale, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà. Vous avez le mot YOLO en japonais version Arnoden. Oh là là, c'est japonais. C'est encore plus fort que ce que je pensais. Après les katakana, eh bien, on a les hiranga. Alors bon, en premier, à quoi ça sert? Bien, à la même chose que les katakana. Sauf que ici, on prononce tout ce qui est grammaire et mots étrangers qui n'est pas évident à prononcer pour ces japonais-là. Bon, à part l'explication chelou, eh bien, on a toujours tableau chelou. Hein, qui va avec. Sauf que ici, on lit la colonne verticale, puis ensuite l'horizon. Non. C'est l'inverse. On lit d'abord la colonne verticale, horizontale, je sais pas. Bon, verticale, puis ensuite la colonne horizontale. Voilà, je me retrouve dans mes sens et tout là. Et en plus, pour apprendre tout ça, ça va être beau. Et enfin, dernier alphabet, un alphabet qui ne ressemble pas aux autres, les kanji. Et les kanji, en fait, c'est du chinois. Bon, en fait, plus sérieusement, c'est une écriture chinoise, mais avec une prononciation japonaise très très différente par rapport à celle de la Chine. Mais après, à quoi ça sert, encore une fois? Eh bien, les kanji, ce sont des mots tout faits. Par exemple, ce kanji très facile à écrire, hein, je vous cache pas, eh bien, veut dire le nez bouché. Bon, voilà, voilà, je vous souhaite bonne chance pour écrire les kanji. Bon, en vrai, il y a des beaucoup plus simples que ça, en fait. Bon, voilà. On en a fini avec cet alphabet japonais de mes couilles. Mais avant de faire une phrase, il y a aussi les verbes. Mais ça, c'est pour après.